Bonjour Hugo. Bonjour. Qu'est-ce que tu sais? Il y a un tas de choses que je ne connais pas. Plein de questions qui posent des questions. Voyons voir où ça nous mènera. D'accord. C'est quoi jouer? C'est quoi travailler? Que veut dire aimer? Et qu'est-ce que c'est la jalousie? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait rire? Pourquoi se laver dans le bain? Est-ce que ça fait grandir? Quoi l'idée? Être juste. Bonjour Hugo. Bonjour Lily. Bonjour Félix. C'est toi le chat. Et pas le droit de me retoucher. Hé, mais ce qu'a fait Oscar, c'est pas juste. Qu'est-ce que ça veut dire être juste? Être juste, c'est quand on est à égalité. Quand on est de la même taille par exemple. Comme lui et moi. Oh, oups, désolée. Et ça veut dire qu'on a la même chance de faire un tour de toboggan. Mais être juste, c'est aussi quand on respecte les règles. Il faut donc qu'il y ait le même nombre d'enfants dans chaque équipe. Ben, et moi alors? Je ne peux pas jouer avec eux? Ça alors, ce n'est pas juste. Oui, mais c'est juste si on joue chacun son tour. Alors, quand c'est juste, ça veut dire que tout le monde a droit à la même chose? Moi, je pense qu'on ne peut pas toujours traiter tout le monde de la même façon. Entrez, tout le monde! Bienvenue à ma fête! Hugo, je t'ai dit que tu ne pouvais inviter que 12 amis à ta fête. Maman, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas inviter tout le monde à ta fête, Hugo. Il n'y a pas assez de place. Et ça, ce n'est juste pour personne. Ah, attention, je vais t'attraper. Et moi alors? Parfois, on ne peut pas partager à part égale. Alors on ne peut pas tous avoir la même chose. Merci Hugo. C'est parfois très difficile d'être juste. Surprise! C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oh. Est-ce que c'est juste quand on a quelque chose que les autres n'ont pas? Ben, je crois que ça dépend si on l'a mérité ou pas. Waouh, une course! Et je vais gagner! Attention, prêt, partez! Je n'y ai pas droit, moi. Eh bien, parce que tu n'as pas gagné, Hugo. Je suppose que c'est juste. Au moins, il me reste mes gâteaux. Mes petits gâteaux. En voilà un pour toi. Et un pour toi. C'est parfait. Et c'est juste, puisque tout le monde a eu la même chose. Regardez-le, lui. Il a encore faim. La fourmi continue à manger. Pourtant, on a l'impression qu'elle a du mal à terminer son gâteau. T'as vu? En plus, elle s'est rendue malade. Peut-être qu'on devrait donner au Yeti un bout de son gâteau. Mais tout le monde n'aura pas eu autant de gâteaux. C'est pas juste. Mais alors, qui devrait avoir le dernier gâteau? Et toi, tu en penses quoi?